Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Emma, une abonnée devenue une amie. Donc, comme vous avez pu le voir sur la chaîne, on voit souvent différents témoignages d'anorexie. Et c'est souvent en vidéo, donc interposée, chacune chez soi. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se voir en vrai. Donc, ce que je vais proposer à Emma, c'est de raconter un petit peu son histoire, mais aussi de partir un petit peu plus sur différents sujets, divaguer un petit peu, en fait, de filmer tout simplement une discussion qu'on aurait pu avoir toutes les deux aujourd'hui, puisque bah, finalement, on s'est déjà vu il y a une quinzaine de jours. Et entre-temps, beaucoup de choses ont changé, donc elle va nous raconter tout ça. Donc je vais vous faire un peu part de mon histoire, enfin comment ça s'est déroulé un peu. Alors il faut savoir que j'ai toujours eu une perception très négative de moi et ça a joué beaucoup sur... Enfin le regard des autres me touchait beaucoup, surtout quand j'étais au lycée et je prenais beaucoup pour... Enfin les remarques des gens, je les prenais vraiment à cœur. Et bah en fait je me dévalorisais et puis un jour on m'a fait une réflexion en me disant je sais pas, tu fais pas beaucoup de sport ou quoi, enfin un peu sur la façon dont je faisais les choses. Et puis ça m'a fait tilt, en fait j'ai commencé à faire attention à mon alimentation parce que je faisais pas beaucoup de sport. Ça c'est quand tu vivais encore chez tes parents? Ouais, ou... c'était au lycée. D'accord. Et donc j'ai commencé à faire... ça a commencé par des petites choses, genre je m'interdisais par exemple le matin le Nutella. Moi, grande fan de Nutella, j'en mangeais plus du tout. Enfin, ça a commencé par des petites choses et puis ça a fini, bah, à cause du confinement, ça a fini par beaucoup de choses. Et c'est vraiment le confinement qui... Le confinement. Et à ce moment-là, est-ce que tu vivais déjà seule? Je vivais pas seule, je vivais encore avec mes parents. D'accord. Voilà. Et bah, ça s'est vraiment dégradé. Mes parents ont vu que bah, j'allais pas bien, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont emmenée chez le médecin. D'accord. Et le médecin m'a dit ça va pas du tout et tout ça. On a calculé mon IMC et tout. Et c'était vraiment la catastrophe. Est-ce que tu es assez transparente sur les chiffres ou tu voudrais plutôt les garder pour toi? Alors, moi ça me dérange pas, donc le poids le plus bas que je faisais c'était vraiment 38 kilos pour 1m70, quasiment 69. Et donc voilà, je suis vraiment tombée très bas, mais j'ai refusé l'hospitalisation et je voulais m'en sortir seule. Sauf elle t'a été proposée? Elle m'a été proposée. Ok. Et on m'a même proposé d'aller dans une clinique en Allemagne qui était vraiment très très, enfin qui était vraiment spécialisée pour ça, parce que chez moi à Colmar, Oui, c'est vrai qu'en Alsace c'est assez compliqué de trouver des centres. Souvent on est soit donc à l'hôpital normal civil, soit directement dans des hôpitaux psychiatriques. Ouais, voilà, c'est ça. Et aussi grâce au confinement un peu, il faisait pas rentrer beaucoup de monde dans les hôpitaux à cause du Covid. Du coup, bah, j'ai un peu eu de la chance, on va dire, je suis pas allée à l'hospitalisation, cela m'aurait forcée sinon, tu vois. D'accord, ouais. Et donc, j'ai essayé de m'en sortir seule tout l'été. En fait, à ce moment-là, j'étais un peu en semi-guérison, on va dire, tu vois. Je stagnais. T'essayais de maintenir une vie quasi normale. C'est ça. Mais enfin, pas du tout. Genre, j'étais vraiment pas bien du tout. Et c'est là qu'arrive la rentrée. Et t'avais repris un petit peu de poids ou... J'avais repris un peu, mais genre, c'était quasiment rien. Je pense que je stagnais aux alentours de 43. Ok. C'était toujours très contrôlé. Ah, tout le temps. Genre, vraiment super contrôlé. Et à ce moment-là, tu étais déjà suivie quand même à l'extérieur par des professionnels? J'avais juste mon médecin qui me suivait. Qui te suivait. Mais je n'étais pas suivie par une diététicienne ni par des autres professionnels de la santé. Et à ce moment-là, donc, arrive la rentrée et je débute un cursus en hôtellerie-restauration à Lyon, donc à l'école Paul Bocuse. Donc Lyon qui est vraiment loin de chez nous. Ouais, à environ 5 heures de route on va dire. Donc je pars seule, je commence, j'entame une vie seule, voilà, exactement, dans un appart. Et c'est là que c'était très dur, vraiment. C'est là que ça a commencé, bah, j'avais plus le contrôle non plus de mes parents. Il n'y a personne derrière pour te dire tu dois manger, il est midi, c'est prêt et tout. Et c'est vrai que bah, justement, nombreuses d'entre vous, ça vous stresse un peu le fait de vivre seul en appartement.
parce que justement il n'y a personne derrière, donc en fait c'est à vous de vous gérer, de faire correctement les choses. Et j'ai pris conscience aussi que pendant ce moment-là, cette période-là où j'étais seule et malade encore, bien bas dans l'anorexie, j'ai pris conscience qu'en fait je me mentais à moi-même, tu vois. Je me disais, je mentais à mes parents en disant que oui, j'ai mangé, et à moi aussi, genre je me faisais penser, je me faisais croire que genre je mangeais alors que d'accord. Je mangeais pas. Et tu mentais du coup à tes parents? Voilà, je mentais à mes parents. Enfin, à un moment, elle vous laisse rassurer en m'envoyant des textos et tout ça, et pour moi, pour ne pas la rendre mal et tout, je lui disais oui, j'ai mangé, oui, machin, enfin, je mentais vraiment. C'est vrai que le mensonge, ça fait vraiment partie de l'anorexie, mais malheureusement, en fait, c'est simplement pour protéger nos proches qu'on fait ça, et pas du tout, c'est pas, on va dire, c'est pas quelque chose de voulu, c'est parce que déjà on se fait du mal à nous-mêmes, du coup on essaie de préserver nos proches et c'est pour ça qu'on ment. Ouais, exactement. Et donc pendant tout ce temps-là, j'étais donc à l'école d'hôtellerie-restauration. C'est un milieu très très épuisant. C'est justement un sujet sur lequel je voulais revenir parce que moi j'ai fait ça durant un mois, durant un job d'été. Et faut pas sous-estimer le job de serveuse, c'est vraiment quelque chose de très sportif. De plus, les horaires des repas sont hyper décalés. On mange 11h, 15h, 22h. Du coup, quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. T'as pas envie de te faire entrée, plat, dessert. Donc forcément, tu manges moins, sauf que tu te dépenses plus. Et même moi, je vais pas vous mentir, durant un mois de restauration, j'ai perdu un petit peu de poids. Et ma mère, qui n'avait plus le contrôle sur tout ce que je mangeais, eh bien, elle s'est inquiétée au point de contacter ma diététicienne pour me represcrire des compléments. Et pourtant, donc à ce moment-là, j'étais en plein déménagement, donc ma balance, elle était à l'appartement et j'avais plus le moyen de me peser. Du coup, moi, vu que j'ai du mal à voir les variations sur mon poids, je pouvais pas savoir si l'inquiétude de ma mère était vraiment réaliste ou non. Puisque je ne pouvais pas me peser, j'ai du mal à voir les variations. Et le jour où j'ai pu retourner à mon appartement et me peser, j'ai vu que effectivement j'avais perdu 500 grammes. Voilà, donc ma mère a réussi à voir que j'avais perdu 500 grammes physiquement de par son inquiétude. Mais voilà, ça c'était vraiment un sujet de dispute chez nous, puisque du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec 3 paquets de compléments sur mon bahut. Avec la prescription de ma diététicienne, alors que justement je pensais avoir un bon contact avec elle et qu'on se disait bien les choses, et là j'avais aucune nouvelle, simplement le papier avec les compléments. Donc comment te dire que j'ai mal pris? Oui. Mais c'est parce que ma mère lui avait écrit de par son inquiétude, quoi. Oui, c'est vrai que durant cette période de restauration, je me sentais quand même fatiguée. Ah oui. Et donc en fait, moi pendant cette période, en fait, je ne me nourrissais pas non plus. Je mangeais pas plus, je dépensais énormément d'énergie et j'étais dans un restaurant où il y avait, c'était énorme, il y avait énormément de tables, je pourrais pas vous dire le nombre de couverts, mais il y avait vraiment beaucoup de tables. On faisait des allers-retours, il y avait des plateaux, fallait aussi aller, c'était un hôtel en plus, donc fallait aller en chambre, il y avait des room service aussi à cause du Covid. Donc on devait monter en escalier, c'était vraiment, j'étais lessivée à la fin de la journée. Et après, ce qu'on a aussi oublié de dire, c'est que dans le milieu de la restauration, tu dois ne pas écouter tes envies. Par exemple, à midi, quand tu sers des beaux plats et tout, t'as pas intérêt à avoir faim. Ouais, genre, tu leur sers le truc, c'est pour eux. Du coup, c'est déjà une forme de restriction, je trouve. Ouais. Parce que tu vois les choses, ouais, c'est beau, ça donne envie. Non, ça c'est pas pour toi. Ça sent tellement bon en plus. Oh, c'est ça. Et ça, c'est pour ça que j'en suis arrivée au bilan que travailler en restauration en tant qu'anorexique, en tout cas quand tu es encore malade, pour moi c'est inimaginable. Ouais, vraiment. Et en fait, j'ai fait un dernier stage en Provence, à la Villa Lacoste. Et donc c'était un stage normalement de 4 mois. J'ai tenu un mois. J'ai failli m'évanouir en service et tout ça, enfin, c'était vraiment la catastrophe. Oui, j'étais arrivée au bout du bout et c'est là que j'ai vraiment dit stop. J'ai appelé ma famille, tout le monde, et je leur ai clairement dit que je devais arrêter, j'arrêtais tout. D'un côté, ça les a soulagés aussi que j'ai dû mettre un terme, tu vois, ouais. Parce que j'étais vraiment pas bien. Et donc c'est à ce moment-là que je suis remontée en Alsace. Et j'ai passé tout cet été chez moi,
avec mes parents et tout, j'ai essayé un peu de remonter la pente un peu toute seule. Et tes parents, à ce moment-là, comment ils étaient, plutôt rassurés de te revoir ou très sur ton dos à justement, te contrôler? Justement, en fait, ils étaient toujours là à tout contrôler. Et ça aussi, ça m'oppressait énormément parce que de vivre toute, de passer une vie seule avec ses parents, ouais, c'est quelque chose que j'ai pas trop... Enfin, moi, j'aimais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire parce que maintenant, quand j'y retourne le week-end, ma mère, elle s'inquiète énormément. Ouais, et vu qu'elle ne peut plus voir tout ce que je mange la semaine... Le week-end, elle dit « Non, là, tu manges pas assez, ça, c'est pas assez. Élodie, tu manges pas assez, non ?» Et toujours sur le dos des gens. Et en fait, c'est tellement oppressant que finalement, manger là-bas, maintenant, c'est plus du tout un plaisir. Genre, ouais, si je vais manger là-bas, c'est vraiment que je suis contrainte et forcée. Bien sûr, avec mon père et ma sœur, là, j'ai aucun problème. Parce qu'ils sont pas là à épier la moindre pâte dans mon assiette. Ouais. Mais après... C'est on vrai que la façon dont on le dit, on a l'impression qu'on le juge. Hein, mais ouais, moi, je les comprends totalement. Ouais, on peut totalement pas leur en vouloir. Parce que si j'étais à la place de ma mère, je serais limite encore pire, tu vois. Ouais, parce c'est que clair. C'est justifié, en fait. T'as tellement peur pour tes enfants, en fait. Exact. Et enfin, on peut être... Enfin, moi, je peux que remercier mes parents et mon entourage pour tout ce qu'ils ont fait pour me garder en vie, on va dire. Parce que sans eux, je serais clairement déjà plus là. Plus tu là, vois. Ouais, bah oui, bien sûr. Et j'étais pas du tout réceptive et genre, je les jetais, tu vois. Ouais. Mais finalement, avec du recul, genre. Oui, et quand tu les jetais, je pense que c'est plutôt la maladie qui parlait, ouais, que toi. Tu ouais, vois. Clairement. Et à ce moment-là, est-ce que tu faisais encore du sport ou t'avais complètement arrêté? Alors, comment ça se passait? Complètement arrêté. Le sport, j'avais vraiment complètement arrêté. J'avoue que pendant une période, quand j'étais seule à Lyon, je me forçais à faire une heure de course à de pied course. Par jour. Ouais, on en avait parlé. Et en plus de tes services, en etc. Plus, ouais. Moi, je sais que quand j'ai fait mon restauration, j'ai fortement diminué le sport parce que bah, je ne pouvais plus faire un leg day après 30 000 pas dans la journée. Quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais à ce moment-là, j'avais vraiment complètement arrêté. Et depuis, je n'ai pas repris non plus. Tu vois. Ouais, mais je pense que c'est une bonne chose. Et ouais. Au moins, tu pourras retrouver une relation de plaisir avec ouais. le sport après. Oui, parce que j'avais perdu complètement ça et je faisais vraiment... Enfin, pour moi, c'était vraiment sport égale souffrance, tu vois. Ah oui. C'était vraiment ça, sport égale souffrance. Même encore maintenant, pour moi, par exemple, tu me dis, viens, on va courir. Pour moi, je vais souffrir, tu vois. Ah oui, d'accord. Je veux pas. Alors que moi, bien au contraire, même durant l'anorexie, le sport, c'était vraiment un échappatoire. Ah ouais. Genre, c'est ce qui permettait de me sentir vivante, tu vois. Je sentais que j'étais en train de mourir, ouais. mais je me mentais à moi-même. Et le sport, ça me prouvait que, vas-y, j'étais encore là, tu vois. Et ouais. le sport, j'ai toujours associé ça à quelque chose de trop cool, tu vois. Enfin, ouais. genre, c'est... Mais moi, ça a toujours été ça. Moi, j'étais une sportive. Je fais de la natation en compétition, du tennis. J'étais danseuse, j'ai fait de la gym, tu vois. Genre... Bah, maintenant, par exemple, ça m'est jamais arrivé, mais là, avec médecine, je travaille beaucoup. Du coup, j'ai dû diminuer le sport, même si je fais STAPS à côté. J'ai diminué là pendant une semaine. Et mon corps, il m'a dit non. Et j'ai commencé à faire une crise d'angoisse et tout. Et parce que tu vois, le sport, c'est vraiment un moyen de me défouler, etc. Ouais. Et vu que j'en avais pas fait et que tout le stress que j'avais et tout, je sais pas, la pression ou quoi, je le gardais à l'intérieur et j'avais plus d'échappatoire. J'ai pas compris ce qui s'est passé. En pleine amphi, j'étais calme, zen, tout. Et d'un coup, j'ai commencé à avoir chaud, des petites, comme des ouais. petits picotements et voir des petites le étoiles. Le cœur qui sent mal. Et là, mon cœur qui commence à palpiter, mais j'ai cru que j'allais dire à mon voisin, écoute, je me sens pas bien, je crois que je vais mourir là, appelle les pompiers. Mais vraiment, et je sentais mon cœur. Et j'avais chaud et tout, et en plus de ça, bah, j'avais le masque, on était hyper ouais. nombreux, tout était cloîtré, donc tu vois, rien n'était propice au bien-être. Voilà. Et donc, je me suis dit, ah non, mais ça, c'est plus possible. Ouais. Et le soir, direct, j'ai repris le sport et ça m'a permis d'évacuer, tu vois, tout ouais. ça. Et après, là, je suis retournée dans l'amphi, j'avais plus rien. Mais je sais que si je fais pas de sport, certains pourront dire que c'est de la dépendance, tu vois. Ouais. Mais moi, c'est simplement ce qui me permet de maintenir mon équilibre. Ouais. Parce que c'est comme si, bah, je sais pas, j'arrêtais de manger pendant 3 jours. Au bout d'un moment, t'es aussi comme ça. Oui, c'est bah, sûr. Le sport, c'est un peu ça pour ouais. moi aussi. C'est plutôt mon corps qui me fait ressentir qu'il me faut quelque chose que ma tête qui me dit « Oh, Élodie, t'as pas fait de sport, tu vois, genre ouais. ça, non. » Mais je me suis toujours dit « Oui, si je remange beaucoup et que je fais pas de sport, je vais reprendre de manière difforme, tu vois. »
Ah oui, ça, c'est le gros cliché, ouais, hein, vraiment. Ça, je me suis toujours dit ça et j'ai toujours cherché à être rassurée là-dessus. Et j'ai compris que, enfin, j'en suis la preuve vivante, Elodie aussi, hein. Ouais. Mais enfin, j'ai repris beaucoup de poids depuis, depuis que j'étais tombée très bas. Je n'ai absolument fait zéro sport, mais quand je vous dis zéro, zéro, je ne fais que de manger. Je ne suis pas une boule. Oui, c'est ça, il faut arrêter de croire que, bah, déjà quand vous reprenez du poids, en premier vous prenez des organes, bien sûr des os, hein. Ensuite vous reprenez du muscle et seulement vraiment par la suite, on va dire que c'est la masse grasse qui revient un peu combler les trous, quoi. Mais vous n'allez pas être une boule toute molle, genre, le corps est assez magique et même si c'était le cas, vous avez toute la vie devant vous par la suite pour refaire le sport que vous voulez. C'est ça exactement. Et en fait, j'arrête pas de me dire que il faut que je reprenne tout le poids que j'ai perdu et que tout ça en dissociant un peu en me dissociant du physique, tu vois. Genre ne plus faire abstraction de. Pour moi, ma focalisation, c'est mon ventre. J'ai peur d'avoir un gros ventre, tu vois. Genre, et ça, je pense que c'est une caractéristique commune de la maladie, quoi. Ouais. Je sais pas, t'avais pas une peur, toi? Après, je sais que la plupart des anorexiques, c'est le ventre et les cuisses. Et il y a aussi certaines qui... Ça, c'est un point que je voulais aborder. Je pensais en faire un post, mais pourquoi pas en parler ici. Beaucoup ont peur des cuisses qui se touchent et trouvent que, justement, quand elles se touchent, c'est pas normal. Alors que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et en plus, pour être passé par une période d'anorexie où on a les cuisses qui se touchent plus, et aujourd'hui, c'est encore un peu mon cas, et ça, c'est un endroit qui n'est pas revenu totalement comme avant. Eh bien, je peux vous dire que moi, c'est pas du tout quelque chose que j'aime. C'est plutôt même un complexe d'avoir justement des gens qui trou comme ça, ouais. Quoi. Parce que, en fait, c'est pas du tout glam, mais en fait, avec cet petit espace, vous voyez votre fessier derrière. Donc, vous avez deux petites boules comme ça. Alors, comment vous dire que c'est pas du tout esthétique? Donc, si franchement votre complexe c'est d'avoir des cuisses qui se touchent, je peux vous dire que moi mon complexe c'est justement qu'elles ne se touchent pas. J'ai le même complexe que toi, je te promets. J'ai l'impression d'être un spaghetti sur pâte. Moi c'était vraiment mon ventre et j'essaie un maximum de me dissocier de mon ventre en me disant que là je reprends tout mon poids, tu vois, genre tout ce dont j'ai perdu, même plus s'il le faut, genre c'est pas un drame, j'en veux plus que ça. Tu veux être guérie, quoi. Je veux vraiment être guérie et seulement après, quand j'irai bien mentalement aussi, parce que c'est vraiment le mental. En ce moment, il y a plus de mal et qui se pose des milliards de questions. C'est vrai, parce que souvent, durant la guérison, le mental et le physique ne vont pas de pair chez tout le monde. Tu vois, il y en a un qui peut avancer plus vite que l'autre. Ouais. Et l'autre qui traîne, bah, en fait, finalement, c'est comme un boulet. Et faut vraiment éviter cet effet-là. Parce que si tu n'as pas le mental, c'est très dur de guérir physiquement. Ouais. Et non, oui, ça, c'est un travail à faire sur toi-même. Hein. Et c'est sûr qu'en deux semaines, tu ne peux pas changer tout ton mental du tout au tout. Alors qu'en deux semaines, ton corps, il peut évoluer très vite. Ouais. Et toujours être, je pense, être positif sur garder ses... Enfin, avoir en mémoire vraiment des phrases positives, de se dire toujours quand on culpabilise ou quoi, de se dire que c'est des kilos de vie, comme tu m'as repris avant, que c'est des kilos de vie et non... Non, de la masse graisseuse. Parce que depuis qu'on s'est vu il y a une quinzaine de jours avec Emma, elle a repris un petit peu de poids et avant on en parlait. Et elle me disait, oui, j'ai la sensation d'avoir gonflé, etc. Et je lui ai dit, non, tu ne gonfles pas en fait, tu reprends des kilos de vie. Et justement, ça m'a fait tilt cette expression parce que quand j'étais à l'hôpital, dans le premier hôpital, j'ai appelé ma tante et je lui disais, oui, je suis contente, je sens que je gonfle et tout. Et là, elle m'a repris, elle fait, non, Elodie, arrête de dire ça, tu ne gonfles pas en fait. Et je pense que c'est ce qu'il faut se dire et relativiser, voir les choses comme tu le disais, positivement. Ouais. Vraiment, je sens que genre j'ai plus d'énergie. Même toi, enfin, tu m'as dit que je parlais mieux. Enfin, je sens que tu n'as pas la parole qui traîne. Ouais. Voilà, c'est énergique, quoi. Même moi, je sens genre, j'ai envie de faire des choses. Même mes parents, ils me disent que je parle trop ou ce genre de choses. Et enfin, les petits points positifs que t'entends un peu partout, ça te met aussi du bon au cœur pour continuer à avancer, tu vois. Oui. Enfin, moi, ça après, je sais que quand tu m'as dit oui, j'ai repris du poids, tu m'as direct demandé est-ce que ça se voit. Oui.
Mais est-ce que ça, c'était vraiment toi qui parlais ou est-ce que c'était plus la maladie, tu vois? Oui, ça, je sais. Ouais. Ben, en fait, c'est vrai, c'est vrai. Genre, est-ce que si je t'avais dit oui, ça se voit, t'as des grosses joues maintenant et tout, tu l'aurais bien pris? Non. Voilà. Et ça, ça veut dire que tu vois, la maladie, elle est encore un peu présente. Ouais, c'est ça. Mais oui, je suis pas. Parce que justement, si ça se voit, c'est là que tu dois te dire yes. Ouais. Yes, ça se voit, tu vois, mes efforts, ils payent vraiment. Ouais. Et pas la maladie qui te dit quoi, ça se voit? Oh là là. Ouais. Ça veut dire que j'ai tellement repris et tout ça, c'est trop. Toujours ouais, cette notion de trop. Ouais, exactement. Non, mais c'est intéressant ce que tu as dit. C'est vrai que ça me fait un peu réfléchir. Ouais. Mais je ne suis pas à 100% guérie non plus. Non, ça c'est sûr, le chemin est encore long. Ouais, le chemin est encore long, mais je compte y arriver vraiment. Donc on va reprendre un peu le fil de l'eau. Voilà. Donc j'étais rentrée en Alsace avec mes parents qui étaient beaucoup sur mon dos. C'était vraiment un point très difficile pour oppressant, moi. Oppressant. Voilà, et oppressant. Et j'ai émis le souhait de partir, enfin je voulais plus vivre avec eux, enfin j'ai bientôt 20 ans, je voulais vraiment plus avoir vivre avec eux, je voulais vraiment avoir mon indépendance. Et mes parents, j'ai vraiment de la chance, ils ont vraiment été compréhensifs, ils m'ont laissé partir. Malgré le fait que tu sois aussi faible et tout ça. Malgré le fait que bah, ils n'avaient aucune prise sur ce que j'allais pouvoir faire, ce que j'allais pouvoir manger, comme quand ils m'avaient laissé à Lyon, ils avaient peur qu'il se passait la même chose. Mmh. Et finalement, bah, j'ai trouvé un petit appartement à Strasbourg, là où j'ai pu rencontrer Lodi. Savoir que tu as aussi complètement arrêté la restauration. Ouais, j'ai arrêté tout le cursus. Il était trop tard quand j'ai arrêté, donc j'ai pas pu me réinscrire sur Parcoursup pour cette rentrée-ci. Après, peut-être d'un côté, tant mieux. Ouais. Peut-être que le hasard a bien fait les choses. Comme ça, tu peux faire de ta santé une priorité durant cette année. Parce que je sais que moi, j'ai eu la chance de tomber malade. Donc vraiment, je suis allée à l'hôpital le lendemain, mon conseil de classe, et j'y suis restée toutes les vacances scolaires, entre la première et la terminale, parce que je sais que je ne me serais pas autorisée le fait de guérir durant la scolarité. Mais en fait, c'est ce que je me dis. En fait, je me dis c'est ça tombe juste bien, tu vois. Mm-hmm. Et donc là, pour la rentrée, donc je suis dans aucune fac, aucune école ni rien. Mais néanmoins, j'aimerais quand même faire quelque chose. Oui, t'occuper. Donc, m'occuper. Donc j'ai passé un entretien entre midi et deux avec une école. Et justement, vu que tu l'as passé entre midi et deux, est-ce que ça a été une excuse pour toi pour ne pas manger ou... Ah non, pas du tout. J'ai mangé, mon rendez-vous était à 13h30, j'ai mangé avant. T'as mangé avant, ouais. T'étais peut-être un peu stressée. J'étais stressée, j'avoue, j'ai mangé super vite, j'ai pas du tout apprécié, j'avais une boule au ventre quand j'y suis allée. Mais tu as mangé quand même. Mais j'ai mangé. Ça, c'est une bonne chose. Pareil, on se retrouve avec Elodie un peu après 4h, enfin il était 17h d'ailleurs. Ouais. J'ai quand même pris un goûter malgré tout, enfin vraiment, comme je te disais, j'arrive plus à me restreindre, tu vois. Ouais, c'est bien. C'est vraiment une belle avancée, ouais. Je vais être un peu le bras droit du proviseur. Ah, c'est donc cool. Je vais l'aider pour les absences et tout ça. Mmh. Ça va, c'est un peu moins physique quand même que ça. Oui, c'est du secrétariat, c'est aussi un peu de la garde d'enfants quand il y a pour les maternelles surtout. D'accord. Quand il y a besoin. Donc et comme j'aime bien les enfants, ça montrera aussi un peu le milieu en école et peut-être pour la rentrée prochaine, peut-être tenter. De passer le concours de professeur des écoles si ce milieu me plaît. Franchement, c'est bien, tu vois, de retrouver un peu des passions, des centres d'intérêt, parce que justement, la guérison, c'est aussi ça, se fixer des objectifs et faire des efforts pour y arriver. Ouais, c'est ça. Si tu manges pas assez, bah, tu peux pas travailler. Donc, forcément, si tu as ce travail avec les enfants qui te plaît, tu sais qu'il faut faire ça pour y arriver. Ouais. Faut vraiment se fixer des objectifs concrets. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis. Je me rends compte que de rester à rien faire, ça aide pas. Non, parce que tu penses qu'à ça toute la journée. Ouais, c'est ça. T'es tout le temps autour de la nourriture. Moi personnellement, même quand je me dis vas-y sors faire un tour, enfin je suis focalisée sur les restaurants, tu vois. Ouais, je m'arrête. Encore aujourd'hui. Ouais. J'avoue que. Après, j'avoue que moi, quand je sortais de l'hôpital, je t'en avais parlé, mais l'image de Blanche-Neige fuit dans la forêt, t'as tous les arbres qui essaient de l'attaquer.
Bah, franchement, c'était vraiment une métaphore qui résumait bien ce qui se passait quand j'étais sortie de l'hôpital, parce que en fait, je voyais que ça. Ouais. Et même quand je suis rentrée chez mes parents à la maison, je détestais aller dans la cuisine parce qu'il n'y avait que ça autour de nous. Et du coup, je restais dans la salle à manger, sauf que dans la salle à manger, on avait la corbeille de fruits. Et moi, je n'arrivais pas et je disais à ma mère, non, il faut l'enlever. Et ma mère, à chaque fois, elle disait, non, non, nous, on ne va pas l'enlever, maintenant, on la laisse là, c'est à toi de t'habituer, en fait. Oui, c'est ça. Et avec le temps, c'est quelque chose qui disparaît. Et maintenant, si je me promène dans les rues, bon, certes, des fois, il y a l'odeur de la tarte flambée quand on se balade près de la cathédrale. À 4 heures, ça te saute quand même au nez parce que c'est un peu étrange. Mais à part ça, les restos, je les remarque plus, quoi. Ouais, alors que moi, je les remarque encore, tu vois. Ouais, mais j'arrive, je pense que ça va venir avec le temps. Ouais. Par exemple, quand je fais une journée shopping ou une après-midi shopping, j'arrive pas à me focaliser sur des habits et tout. Ah ouais. À m'arrêter devant une vitrine et me dire, ouais, ça me dit ça, j'aimerais bien essayer, tu vois. Ouais, mais je comprends, parce que même quand je regardais la télé, j'avais l'impression qu'il n'y avait que de la bouffe partout. Dès qu'il y avait de la bouffe, je changeais de chaîne. Il y en avait encore. Oh, à la fin, j'éteignais, j'en avais marre. Parce que déjà, tu penses à ça toute la journée, toute la journée, toute la journée. Tu vois encore ça tout le temps. Non. C'est et c'est pour ça, quand j'étais à l'hôpital, j'étais contente que, bah, par exemple, mon père et ma sœur me parlent d'autre chose que ça. Plutôt que bah, ma mère qui me parlait que de ça, que de ça, que de ça, alors que j'étais déjà confrontée à ça toute la journée. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, j'ai compris qu'il fallait que je me trouve une activité un peu pour occuper mes journées, parce que j'allais pas faire là pendant un an rien, on va dire. Et je pense que ça va m'aider à, bah, à penser à autre chose et peut-être à me sentir utile aussi. Et aussi te focaliser sur quelqu'un d'autre, c'est tu ça, sais. Exactement. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui étaient à l'hôpital avec moi qui ont pris un animal de compagnie par la suite pour focaliser leur attention et s'occuper de quelque chose d'autre. Parce qu'une grande caractéristique des anorexiques aussi, c'est qu'elles sont très égocentrées, ouais, elles pensent qu'à elles, à leur corps, à leur poids, à ce qu'elles vont manger. Au bout d'un moment, focalisez-vous sur quelqu'un d'autre. Là encore, quand je suis toute seule à la maison et tout, je planifie beaucoup, tu vois. Ouais. Genre, je me dis, oui, il faut que je mange ça, il faut que au prochain repas, et puis avant j'avais mangé ça, et puis tu vois, okay. Et tout ça, ça fait des cheminements. Moi maintenant que je suis vraiment, vraiment en guérison. Mais avant, c'était vraiment tout le temps ça, tu vois. Après, ça, c'est un peu ambigu comme sujet, parce que vu que tu vis seule, et je pense que moi aussi, maintenant, je peux le dire, quand je vivais chez mes parents, avant, j'avais pas du tout besoin de planifier. Tout se faisait à la one again, au jour le jour, qu'est-ce qui était prêt dans le frigo, ouais, tu vois, tu pioches ce que t'as envie. Sauf que quand tu vis seule chez toi, c'est à toi de tout préparer. Ouais, c'est vrai. Du coup, si tu prépares pas un minimum, bah t'as rien et tu crèves la dalle, en gros. Mais du coup, c'est pour ça que genre, moi, je suis obligée de préparer. Genre là, ce soir, je vais préparer mes repas pour la semaine prochaine. Ouais. Parce qu'il faut faire des courses, il faut que je prépare. Je n'ai pas toute la journée pour commander sur Uber Eats, à les attendre en bas de Mais chez je moi. Trouve, je trouve que c'est intéressant ce que tu fais pour toi, pour les personnes qui sont vraiment en fac ou qui ont des études. Je pense que les meal prep et tout, comme tu fais, ce que tu fais, c'est vraiment très intéressant. Pour ne pas vous poser 10 000 questions et vous ajouter une charge mentale encore après. Exact. Bah d'ailleurs, j'ai un post qui est prêt sur ça, qui devrait bientôt sortir. Mais les meal prep, je pensais qu'il y avait des inconvénients. Ça me saoulerait de manger toute la semaine la même chose. Et au contraire, ça m'a vraiment beaucoup plu et je vais continuer durant toute cette année. Mais voilà, ça me permet de gagner du temps, de ne pas me prendre la tête, d'être sereine sur ça. Oui, franchement, ça. Tu mets au micro-ondes d'une minute, c'est prêt. Tu fais ça le dimanche matin, ça fait une petite pause dans tes cours. Franchement, je trouve qu'en tant qu'étudiante, il n'y a que des avantages ouais. à ça. Mmh. Et même si vous ne savez pas trop quoi vous faire à manger, sur mon compte, il y a plein de recettes. Vous allez dans le guide recettes, il y en a 3 différents des guides. Et c'est ce que je dis souvent et ce qui me revient beaucoup, c'est que les recettes, justement, en tant qu'anorexique, votre médicament, c'est l'alimentation. Et en fait, sur le compte, c'est comme si c'était une petite pharmacie et vous piochez le médicament que vous voulez pour guérir. Comme là, j'ai pas non plus... Enfin, mes journées, elles sont pas trop occupées. Genre, j'ai le temps de cuisiner, tu ouais. vois. Donc, je fais pas forcément, moi, des meal prep. Mmh. J'essaye un maximum de me cuisiner. Jusqu'à là, en fait, je mangeais, mais... Je mangeais tout fade, genre sans épices, sans sel, tout était cuit à l'eau, ouais, tout pas était de matière cuit. Grasse. Voilà, c'est ça, rien, vraiment rien, genre zéro goût. Et j'avais mon repas, enfin, je sais pas,
faut pas que ça donne des idées aux autres, mais mon repas que je me faisais tout le temps et qui était un peu un repas anorexique, c'était deux œufs ou un blanc de poulet avec du riz, sans rien, des courgettes à l'eau. Tout était cuit à l'eau, vraiment à l'eau, sans goût, sans rien, pendant longtemps. Aucun plaisir. Vraiment aucun plaisir. Et pendant longtemps, pendant des mois et des mois, je mangeais ça. Quand j'étais toute seule à Lyon, c'était que ça mes repas. Midi, soir. Midi, soir. Ou quand des fois je mangeais pas, je mangeais une pomme, tu vois. Et en fait, j'ai remarqué que depuis que là je suis à Strasbourg et que je suis dans une démarche plus positive et vraiment de guérison, j'ai aussi eu la chance, comme je dis, je voulais dire, que je suis suivie maintenant par une diététicienne. Je pense que c'est super important. Ouais, franchement, moi je pense que sans diététicienne, on s'en sort pas. Seul, on peut pas s'en sortir. Tu donnes ton plan, enfin. Tu suis son plan, enfin moi ça m'a vraiment rassurée. Toi t'as quoi comme plan, tu peux nous le décrire un petit peu ton plan? Alors mon plan c'est clairement pas, elle me donne pas des repas, enfin des recettes à faire. Elle m'a donné dans un cadre, voilà, les proportions que je dois prendre en féculents. Donc à chaque repas il faut que j'ai un cadre féculents, protéines et légumes. Ouais, quelque chose d'équilibré quoi. Voilà. Et faut que j'ai minimum à chaque fois, elle me le met en cuillère à soupe, du coup comme tu disais, c'est minimum 6 cuillères à soupe de féculents et une portion de protéines quoi. Okay. Avec une entrée, un dessert, pain fromage, et en fait elle me dit que tout ce que j'ajoute autour c'est du bonus et c'est du bonus. Plus. Enfin, le cadre du plan alimentaire, c'est vraiment votre minimum. Ouais. Et tout ce qui est au-dessus, c'est pas du trop, c'est du bonus. Ouais, c'est des petits plus, quoi. Et il faut vraiment, le cadre qu'elle met, c'est vraiment le minimum. Et si c'est plus, faut pas se dire punaise. Parce que moi, pendant les premières semaines, je me disais, faut que ce soit à la cuillère près, faut que ce soit au gramme près, faut le suivre vraiment. Si c'est plus, ça va pas. On va dire que c'est vraiment votre minimum. Ouais, quoi. Vraiment. Il faut pas avoir peur de rajouter, se faire plaisir quoi. Depuis que vraiment je suis suivie et tout. Par seulement une diététicienne. Une diététicienne et j'ai encore mon médecin. Ouais. Et les consultations avec le psy visio aussi. Avec le psy en visio. Et ça, est-ce que ça t'aide? Ah oui, vraiment. Ouais. Enfin, tout, vraiment mon suivi, je pense que il manque peut-être maintenant que je peux peut-être que j'ai retrouvé un poids assez conséquent. Je peux peut-être le kiné. Je sais pas si t'as fait du kiné toi. Moi, j'en ai pas fait personnellement, mais je sais qu'il y en a, ça les a un peu aidés, tu vois, mais. C'est pas quelque chose d'aussi obligatoire qu'une diététicienne. Non, quoi. C'est clair. On va dire que c'est un peu du plus dans votre guérison. Voilà, donc je me dis peut-être des séances de kiné ou pour reprendre le sport en douceur, on va dire. Mm-hmm. Je sais pas encore. Après, dis-toi que le sport, si tu détestes vraiment ça, guéris déjà tranquillement. Ouais, c'est ça. Et après, tu reprends, je sais pas, si t'aimes la natation par exemple, ou si t'aimes la danse, ouais, tu reprends 10 minutes. Tu te fais une petite choré tous les matins pour te réveiller en musique, hop, 10 minutes, tu te mets dans la joie et la bonne humeur, c'est cool. Mais tu vois pas ça, je vais faire du sport. Non, je vais faire 10 minutes de danse pour me réveiller au taquet. Ouais, c'est ça, c'est clair. Et en fait, depuis que du coup je suis suivie, je reviens un peu en arrière, depuis que je suis suivie, j'arrive maintenant à me faire des plats qui sont plus savoureux. Mmh. Elle m'a donné aussi des idées de comment assaisonner mes plats. J'ai aussi l'obligation d'avoir au moins une cuillère à soupe d'huile dans tous mes plats, d'huile d'olive, minimum. Huile de tournesol par exemple, ou une autre huile, ça fait peur ou... Non. Mais beurre, ça me fait peur, tu vois. Beurre, ça fait peur. Beurre, j'ai encore du mal, j'avoue que c'est encore un... Beurre, c'est encore quelque chose que j'ai du mal à voir. Ouais, bah écoute, tu vas tester. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que le donc là, riz au beurre, tu me donnes un challenge là direct. Zou. Le riz au beurre, je sais pas si t'as déjà goûté, mais c'est une tuerie. Donc comme ça, tu goûteras et c'est trop bon. Ok, ça marche. Bon, bah prochain challenge. Voilà, on a hâte de voir. Ouais. Et bah, je te ferai une petite photo. Allez. Et du coup, bah voilà. Et donc là, depuis tout ce temps, je suis le plan alimentaire. Je me fais plaisir et tout. Je mange des tartes,
J'ai regoûté la bretzel et depuis j'en mange tout le temps avec Elodie la dernière fois qu'on s'était vus. Et puis je reviens juste du coup d'un rendez-vous avec ma diététicienne. Et depuis qu'on s'était vus avec Elodie, enfin, et depuis la dernière fois, j'ai pris 10 kilos quoi. Super. Et je suis super contente parce que mes efforts ils payent. Tu les as pris en combien de temps ces kilos-là? Je pense en 3-4 semaines. 3-4 semaines. Donc faut vraiment pas que les gens aient peur de prendre autant de poids aussi rapidement. Vite. Non, vraiment pas. Et je pense que c'est vrai que les premiers kilos se prennent vite, prennent rapidement. On est d'accord. Mais par exemple, je pense que moi mes bras ils sont toujours aussi maigres, mes jambes elles sont toujours aussi maigres. Et quand je marche dans la rue avec un jean slim, je suis pas à l'aise, c'est pour ça que je mets des jupes ou ce genre de choses. Tu te trouves trop maigre? Ouais, je me trouve vraiment trop maigre, enfin surtout mes bras et tout. Tu vois. Ça se voit encore que tu es malade. Ouais, voilà. Mais là, t'as parlé de tes bras et tes jambes, mais ton ventre? Oui, justement, mon ventre. C'est exactement ce que la diététicienne m'a dit aujourd'hui. On a fait un test de dysmorphophobie et elle m'a clairement demandé où je me situais, tu vois. Mm-hmm. Et je lui ai dit, clairement, mes bras et mes jambes se situent à la fille, enfin j'ai montré la fille la plus maigre, mais mon ventre je l'ai montré à la fille assez haute. Et en fait j'ai encore du mal avec mon ventre, enfin vraiment c'est quelque chose qui m'obsède et on a fait un travail là avec ma diététicienne autour de ça. Qui consistait en J'ai pour jusqu'à la prochaine fois que je la vois, je dois faire des travails de respiration quand je pense à mon ventre en fait. Il faut que je respire justement avec mon ventre et me dire qu'il va me porter, enfin qu'il va peut-être porter la vie et que, c'est pas que du gras quoi. Un ventre, voilà. Ouais, c'est pas que un sac à manger quoi. Voilà, c'est ça clairement. C'est pas fini, le chemin est encore, est encore long. Après, j'aimerais aussi revenir la dernière fois qu'on s'est vu. C'est vrai que tu m'avais posé beaucoup de questions, tu étais beaucoup dans le doute. Ouais. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était trop, que tu devais faire, qu'est-ce que tu ne devais pas faire. Ah oui, mais vraiment, tu m'as été vraiment d'une grande aide. Vraiment, n'hésitez pas à parler, à poser des questions. Allez voir le compte, son compte Insta, il est juste top. Genre, j'ai trouvé plein de réponses, réponses aux questions que je me posais. Ouais, je pense que même si c'est pas sur mon compte, si vous avez la moindre de ressources autour de vous, n'hésitez pas à poser vos questions. Que ce soit à quelqu'un qui a vécu les choses, quelqu'un qui est guéri, ou même à des professionnels. Franchement, il n'y a pas mieux pour poser vos questions. Bien sûr, sur le compte, vous retrouverez plein de ressources, mais qui sont personnelles. Donc, c'est par rapport à mon expérience. Mais justement, je trouve que c'est intéressant quand j'ai discuté avec toi, que tu me parles de ton expérience pour aussi ne pas se sentir seule. Tu vois. Et ça m'a aussi, tes réponses m'ont permis de relativiser, tu vois. Ouais, parce que c'est vrai que souvent avec les professionnels, vu qu'ils ne l'ont pas vécu personnellement, il y a un petit décalage. Alors que souvent avec quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que nous, on se sent peut-être un peu plus proche. Oui, c'est ça. Et puis quand on a une preuve devant soi, que quand j'ai vu Elodie, je me suis dit, toi t'étais anorexique, c'est pas possible. Enfin, même quand on voit les personnes qui sont sorties d'anorexie, enfin faut se dire c'est vraiment possible quoi. Ouais, voilà. Faut jamais perdre espoir. Exactement, faut garder espoir. Que tu as mis en place justement pour reprendre ce poids. Alors faut savoir que je me pose plus aucune question sur sur ce que je vais manger, sur ce que je vais faire. Je planifie plus mes repas. J'achète pour temps et temps de repas. Enfin, j'essaie de m'imaginer des recettes, des plats. Est-ce que tes courses, tu arrives à les faire plus rapidement qu'avant? Oui, j'arrive à les faire plus rapidement. C'est vrai que c'était une partie que je prenais 10 000 ans à faire. Ouais, tu me disais, les courses, ça durait 4 heures. Oui, vraiment. Genre, je regardais le moindre truc, le plus healthy, la meilleure marque. Je me rendais dans différents magasins pour trouver. Enfin, vraiment, ça durait super longtemps. Là, j'essaye de plus petit à petit raccourcir, tu vois. Ouais, mais ce que je t'avais conseillé, c'est justement de se fixer un chrono. Tu as 30 minutes, 1 heure pour faire tes courses. Et faut que tu aies tout acheté. Donc forcément, tu n'as pas le temps de regarder toutes les étiquettes de n'importe quoi. Ouais, donc ça, c'est un grand point qui s'améliore petit à petit. J'ai encore du chemin, mais voilà. Pour les repas, si j'ai envie de me faire, par exemple, après mon repas, j'ai encore envie de paquet de gâteaux, je me dis pas, non, j'ai déjà mangé du pain, du
beurre, du fromage. J'ai déjà pris mon plat. Ça fait trop peut-être. Ouais, ça me fait sourire ce que tu me dis parce que les premiers jours, tous les soirs, j'avais un message. Elodie, j'ai déjà mangé ça, 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 ça. Oui. Tu crois qu'un paquet de gâteaux, c'est trop? Oui, c'est vrai, en plus, t'as envoyé ça. Mais maintenant, en fait, tu m'avais répondu et tout ça. Et en fait, j'ai la réponse d'Elodie qui me dit, mais c'est en plus, c'est un bonus, quoi. Oui. Parce qu'en fait, c'est des choses que vous savez, genre, oui. Elles sont en vous, vous avez la réponse. Sauf que l'entendre par quelqu'un d'autre, c'est bien parce que souvent vous ne vous faites pas confiance et du coup l'entendre par quelqu'un d'autre, vous vous dites ok c'est bon, ma crainte elle repose aussi sur quelqu'un d'autre, je ne l'ai pas toute seule à l'intérieur de moi, donc le partager ça aide. Ouais voilà, du coup là j'arrive à vraiment me... Non là j'ai plus de petits gâteaux le soir, est-ce que c'est bien voilà. ou pas Non mais maintenant je le fais, enfin si je... j'en ai envie, j'en mange, enfin, tu vois. T'écoutes tes envies. J'écoute vraiment mes envies. Et en fait, je mange jusqu'à ce que ma faim mentale soit vraiment rassasiée. Faim mentale. Ce terme, c'est super important, je pense. Vraiment. Jusqu'à ce que ma faim mentale soit rassasiée. Même si j'ai plus faim, si j'ai plus la sensation de faim, mais que j'ai encore envie de gâteau, ça sert à rien que j'aille, j'arrête là parce que ça va m'obséder. Vraiment assouvir mes envies, c'est ça. Assouvir ses envies. Vraiment. Ça, c'est un super conseil. Hein. Franchement, écoutez votre faim mentale. On retiendra ça. Voilà, non, vraiment. Maintenant, quels sont tes prochains objectifs? Alors, mes prochains objectifs, ce serait. Déjà encore de reprendre du poids, vraiment, de plus... Ça fait pas peur là, non. Si tu reprends 10 kilos en un mois, ça fait pas peur. Non, vraiment je veux plus avoir ça en tête. C'est bien. Je veux plus repenser à tout. En fait, je veux reprendre du poids pour que mon mental change, pour ne plus avoir à penser à tout le temps à la nourriture. Ouais. Pour que j'ai d'autres... Enfin, la vie en fait, elle se résume clairement pas à ça et j'en prends de plus en plus conscience. Et je veux avoir un travail, je veux avoir un chéri, je veux retrouver une vie normale. Une vie normale, quoi, ouais, clairement. Vraiment, ça c'est mon plus gros souhait et je vais continuer. Et pour ça, concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mais je vais continuer mes efforts, vraiment. Ouais. Continuer mes efforts. Là, je continue mes suivis, super assidûment. Ouais, assidûment. Et vraiment, diététicienne, psychologue et médecin. Diététicienne tous les 15 jours, psychologue toutes les semaines et médecin tous les 15 jours aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu une journée alimentaire, comment ça se passe pour toi? Le petit-déj, j'ai toujours mes tartines de pain, tu vois. Mm-hmm. Et sur mes tartines de pain, je varie, j'ai 4 toppings différents. Genre j'ai Nutella, peanut butter, j'ai... confiture de framboise et confiture d'abricot. Je pense que justement sur tes tartines, tu peux ajouter du beurre. Ouais. Ça serait pas mal. Oui, ce serait aussi un challenge. Prends combien de tartines Je me fais 3/4 de la baguette, voire une baguette. Ok. Et quand je me fais les 3/4 de la baguette, des fois je mange encore, si j'ai envie, encore des céréales. Mmh. Un petit bol. Enfin. Après, il faut savoir qu'on ne peut pas comparer une alimentation normale à une alimentation de guérison. C'est sûr. Parce que pour certains, ils vont se dire « Quoi ? Waouh, une baguette, c'est énorme !» Sauf que vraiment facilement. Hein. Quand vous avez 30, 20 ou 10 kilos à reprendre, en fait, c'est pas avec deux bouts de pauvre pain de mie, là, Wet Watchers, je sais pas quoi, là, que vous allez reprendre 30 kilos. Donc forcément, il faut vraiment un quota de calories élevé. Voilà. Important, oui. Et donc, mais je me fais facilement la baguette le matin. Je pense que le fait que tu dises ça, ça va aussi en remettre les choses en place vraiment, chez certaines. Et vraiment, genre, ça me fait plaisir de manger la baguette. Mm-hmm. Je me dis pas, oh mon Dieu, c'est trop. Enfin, je me sens vraiment rassasiée après ma baguette. Mm-hmm. Et je me sens bien, tu vois. D'accord. Et même le matin, des fois, je me suis fait, ces derniers temps, j'adore m'acheter de la brioche. Mmh. Donc en plus, je m'en fais de la brioche, une petite brioche, elles sont rondes comme ça. Super. Et je me fais de la brioche, je mets la tartine, enfin c'est trop bon quoi. Donc, tu reprends plaisir en l'alimentation. Ouais, vraiment, je reprends du plaisir et j'ai 10 000 envies, genre je pourrais manger plein de trucs, enfin il y a plein de trucs qui me viennent en tête que je pourrais manger. Et donc voilà. Pourquoi que tu pourrais Que je peux manger. Que tu peux manger, voilà.
Donc après mon petit déj, je suis bien calée et tout. Je passe ma fin. Tu le prends vers quelle heure? Vers 7h30, 8h. Ouais, quand même assez tôt. Je me réveille assez tôt. Mm-hmm. Je me réveille vraiment assez tôt. Et donc après, vers midi, je commence à me faire à manger. Donc là, je suis. Tu prends pas de collation entre alors. Non, en fait, je me sens vraiment. Enfin, c'est oui, c'est mon petit déj est vraiment conséquent, donc je ressens pas la faim. Et même à midi, si j'ai pas faim, je mange quand même. Hein. C'est pas parce que j'ai pas faim que même après. C'est vrai qu'après une baguette, j'ai pas vraiment faim à midi, mais la faim vient aussi en cuisinant et en mangeant. Ouais, l'appétit vient en mangeant, effectivement. Et donc je me fais mon plat ensuite. Enfin, le plat du midi et le plat du soir, je l'ai fait en suivant le plan de la alimentaire, le cadre, je suis le cadre. Mais en entrée, c'est quoi par exemple? Quiche, ok. Bretzel. Ouais, c'est pas une salade quoi. Non, clairement pas. Quiche, bretzel, qu'est-ce que je me suis fait? Tartine de jambon. Mm-hmm. Ouais, voilà. En plat En plat, ça peut être ce que je me fais bolo. Bolo, il y a les pâtes, la viande et la sauce tomate. Mm-hmm. Bolo. Après, tu as pain fromage. Et en dessert, donc j'ai toujours un yaourt. Donc, soit un yaourt nature, mais que je mets de la confiture dedans. Ouais. Ou un yaourt aux fruits, ou une compote, où j'ai toujours un yaourt, un fruit, toujours aussi, et un complément. Un complément, ok. Ouais. Et tu le prends sous quelle forme? Sous forme de yaourt. Yaourt aussi, ouais. À la vanille, c'est basique, machin. Et puis après, je mange des gâteaux. Par exemple, ceux que j'adore, c'est les Björk, je sais pas si tu connais, où il y a du chocolat dedans. D'accord, ouais. Voilà. Ça j'adore. Tu en manges combien à peu près comme ça vient? Est-ce que tu les comptes quand tu les manges? Alors c'est en paquet de 3. Ok. Donc je mange mon paquet de 3. Et si j'ai encore envie, en fait j'ai des petits beurres qui sont un petit beurre. Mmh. Et donc si j'ai encore envie de gâteau, enfin je mange des petits beurres parce que j'aime ça. Mmh. Ou du chocolat. Et vraiment, enfin je mange jusqu'à ce que je pense plus à la nourriture, jusqu'à ce que j'ai vraiment plus faim. Après il y a le 4h, donc le 4h je vais soit me chercher une part de tarte à la boulangerie ou alors une viennoiserie aussi, j'adore. Okay. Et donc voilà, et puis je mange ça avec un fruit et un yaourt aussi, et puis le soir c'est pareil que le midi. Et pas de collation à 20h. Et pas de collation à 20h. Du coup deux compléments par jour. Ouais. Et bien voilà, vous avez un plan type alimentaire en guérison, et ça c'est vraiment... ce que je peux conseiller, parce que je trouve qu'il est vraiment convenable à ta situation. Ouais. Et bien sûr, c'est pas quelque chose, je pense, que tu vas maintenir tout au long de ta vie. Non. Mais justement, il faut se dire que c'est temporaire. Ouais. Et c'est ce qui va te permettre aussi, à accéder à ta vie normale. Et là, une question qui me vient en tête, c'est que je me pose souvent la question, ouais, je mange beaucoup là en ce moment, je mange énormément. Et j'ai peur que ma faim ne se régule pas, tu vois. Se régule jamais. En plus, je pense à ta maman qui avait mis un peu la crainte de voir tout ce que tu pouvais manger. Et je pense qu'il faut vraiment se dire que c'est temporaire, c'est une alimentation médicament. Il ne faut pas avoir en tête l'alimentation normale de quelqu'un qui est... Enfin, normal, il n'y a pas de normalité, hein. Mais une alimentation de quelqu'un qui n'est pas malade. Parce que vous ne pouvez pas vous référencer sur ça si vous êtes encore malade. Et il faut vraiment se dire que c'est une étape transitoire. Vous n'allez pas rester malade toute votre vie. Donc forcément, cette alimentation qui est temporaire dans votre vie restera temporaire et se régulera avec le temps. Mais par exemple, ma plus grande crainte aussi, c'est de devoir me restreindre à nouveau. Mais là, j'ai aussi mis cette crainte à la diététicienne et elle m'a clairement dit que je devrais... me restreindre, enfin que j'aurais le droit d'assouvir tout le temps mes envies. Je vois ce que tu veux dire, parce que au bout d'un moment, en fait, durant la guérison, vous devez enlever toutes les barrières. Ouais, c'est ça. Et après, vous vous habituez à être manger. Et le jour où il va falloir se restreindre, ça vous fait peur, parce que va falloir se remettre des barrières, recommencer à contrôler. Et du coup, vous avez peur de retomber dans le trop de contrôle. Toujours cette notion de trop, sauf qu'en fait ça va se faire très naturellement et c'est pas vraiment des barrières, c'est simplement
Je sais pas trop comment expliquer, mais tu vois, genre ça va se faire naturellement. Ouais, il faut avoir le temps, il faut vraiment être patient. Et franchement, c'est plus de la restriction, c'est simplement, c'est intuitif. Et au bout d'un moment, comme je le disais fréquemment, quand je mangeais 5-6 pâtisseries par jour, à la fin, vous prenez plus de plaisir en fait. Et vous préférez plutôt espacer les pâtisseries pour reprendre plus de plaisir quand ouais. tu en manges deux bon, dans la pour journée. Pour le moment, moi, je suis encore pas dans cette phase. Tu vois, genre là, je me lasse, c'est, je m'en lasse pas bien. Là. Ouais, mais quand ça fera 4, 5, 6 ouais, mois, c'est ça. Oui, tu vois, genre là, manger 3 parts de tarte à chaque repas, bon, oui. j'abuse un peu, mais au bout d'un moment, les tartes, t'en auras jusque-là. Du coup, forcément, tu vas vouloir espacer un peu les, on va dire, les petits plaisirs, quoi. Mais il faut être patient et ça sera tout seul. La patience, c'est super important. Ouais. Emma, quel serait ton meilleur conseil pour guérir? Alors, la question fatidique, voilà. Mon meilleur conseil, ce serait vraiment de se faire aider, vraiment, d'être entouré un maximum. Moi, c'est mes proches qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup soutenu. Mais si vous vraiment faites-vous aider, ayez des, enfin, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Quand on est malade, en fait, on se voile un peu la face et c'est quand on est confronté à ce qu'on est vraiment que ça nous fait tilt et que ça nous fait changer. Puis bah, par exemple, n'hésitez pas à venir discuter avec Elodie sur son compte ou même moi je suis aussi, enfin si jamais vous avez des questions je peux aussi vous répondre. Comment t'es venu ce déclic de vouloir guérir? Parce que durant quand même un an et demi t'es resté bloqué dans la maladie quoi. Ouais. Alors je pense que j'ai trouvé une certaine un confort dans la maladie. Dans la maladie. Vraiment. Mmh. Mais de voir que en fait je loupais ma vie, je ratais ma vie complètement. Tu t'en es rendu compte comment? Je saurais même pas dire. J'ai pas eu un déclic comme ça. Il n'y a pas un événement qui a fait que. Il n'y a pas c'est un plutôt événement. Ça s'est au fait progressivement. Et aussi, le fait que j'ai eu d'être rassurée autour mm-hmm. de moi, de me sentir aidée et de ne pas me sentir seule, ça m'a aussi fait me valoriser. Que tous mes efforts. Ça t'a poussé dans la bonne direction. Voilà, c'est ça, exactement. Ça t'a tiré vers le haut. Ouais, exactement. Ça m'a tiré vers le haut. Ok, je vous propose de finir sur cette bonne note. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider. On vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. À tout bientôt, ciao, merci ciao. Beaucoup.